tourner autour de la science. Aujourd'hui, on a visité des scientifiques. On a parlé sur la géologie. On nous a fait étudier les roches. Ensuite, on a parlé des robots qui peuvent soulever des choses. Qu'est-ce qu'on fait avec un bras? Ça travaille, non? Ça prend, ça dépose, ça fait des mouvements là. On lui a présenté le bras mécanique. Un bras qui permet de saisir un objet, le déposer, faire tourner, faire une rotation, déposer l'objet, le prendre, le déposer. En fait, pour faciliter un travail. Télescope. 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 Quand le soleil comme ça, les nuages, vous ne pouvez pas bien observer. Généralement, il faut observer à un moment où le temps est clément, le soir ou bien la nuit. Le but d'abord de notre venue, c'était de faire la promotion des sciences africaines. Et dans ce contexte, je vois dans mon prototype, il y a un procédé qui s'appelle l'électrolyse de l'eau. Et la plupart des classes du collège, du lycée ont déjà eu ce cours-là. Moi, je me suis basé sur ces cours. Et c'est dans ce but que je suis venu échanger avec ces jeunes pour leur dire qu'ils ont déjà eu quelques cours et c'est à eux maintenant d'aller à l'application. Et pour les inciter à aimer les sciences et technologies. Peu importe que vous soyez en A ou en B, en série C, c'est un devoir parce que c'est ça qui détermine notre indépendance. L'indépendance n'est pas basée sur la maîtrise de nos matières premières, c'est la technologie. Dans le monde qu'on est, c'est la technologie qui donne le pouvoir. Par exemple, ça électrolyse, ça produit un gaz de dihydrogène. On a transformé ça en électricité qui peut produire beaucoup d'électricité dans les localités là où il y a un manque d'électricité. Comment on peut transformer le cacao pour obtenir du chocolat, du vélo, pour pouvoir gagner de l'argent? Vous avez votre poignet de porte qui est cassé. Vous allez au marché, on vous dit que cette poignet n'existe plus sur le marché. Vous ne savez pas comment faire sinon vous devez remplacer votre poignet de porte. Alors, si quelqu'un a un instrument de droit à disposition, vous le voyez, il dessine votre poignet de porte pour vous et l'imprime et vous remplacez aisément votre poignet de porte sans pour autant remplacer toute la serrure.